L'ambiance carnavalesque a déjà commencé ici à Sao Paulo alors que le Brésil accueille le Grand Prix de F1. L'autodromo José Carlos Pache est un incontournable du calendrier de course depuis des décennies et nous allons vite revoir les meilleurs pilotes du monde donner tout ce qu'ils ont. Le circuit de Sao Paulo est magnifiquement conçu et présente un défi exigeant pour les écuries et les pilotes. Entre les virages en S à vitesse moyenne, les côtes et la section à grande vitesse après le virage jansant, ce circuit très exigeant demande des voitures un équilibre parfait. La saison étant presque terminée, le temps presse pour les écuries. L'une d'elles fera-t-elle une percée de dernière minute? Les pilotes de tête tiendront-ils le coup? Seul le temps nous le dira. Que va-t-il se passer ce week-end? Seul le temps nous le dira.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Une fois les essais terminés, les qualifications commenceront et avec elles, la lutte pour la pole. Celui qui a dit « chaque seconde compte » n'était manifestement pas amateur de F1 où la position sur la grille peut se décider au millième de seconde. Les pilotes en compétition aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde, mais les écarts sont d'autant plus fins. Et comme vous pouvez certainement vous en douter, il n'y a pas de marge d'erreur. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, alors allons-y! Another radio check. Radio check, okay. Green light.
Good session, well done. Radio check, radio check. Loud and clear. The brakes are really poor. Yeah, understood. Regardons ça de plus près. Regardons cela. Voilà Pierre Gasly. Un terrible accident ici. Ah, quel dommage! Grosse déception pour l'écurie. Il y a eu un accident! Ok. Ok. Sorry mate, I'm gonna retire the car. This is not safe anymore. Yeah, copy. Session all in all, I think. Still learned a lot. La grille est pleine et il y a de l'électricité dans l'air. Quoi de plus normal? C'est le jour de la course! Nous n'avons pas eu de prouesse inattendue d'Alpine lors des qualifications, mais ils se sont bien débrouillés. Tout reste encore possible pendant cette course. Mercedes a fait une belle percée pendant les qualifications et l'écurie aura beaucoup d'opportunités pour inscrire de beaux résultats. Une journée ensoleillée avec quelques rares nuages. Si les choses restent ainsi, la météo ne devrait pas poser de problème aux écuries. Mais comme toujours, les équipes seront attentives à leur stratégie à l'approche de la course. Nous y voilà, le Grand Prix de São Paulo au Brésil.